Je vais donc me donner la parole à Madame Lindemann. Je vais évidemment soutenir cet amendement, mais je voudrais d'abord faire une remarque. Tous les groupes, en tout cas une large partie des groupes de la commission économique, Madame Létard, Madame Estrosi Sassone, Madame Artigalas et moi-même, nous avons travaillé à faire des propositions qui ont été votées par la commission, approuvées par la commission, avec tous les groupes. Et j'observe que ni le groupe centriste, ni le groupe LR ne nous a avertis du fait que ce ne serait pas voté. Et on se retrouve à avoir un amendement de la commission qui n'est soutenu que par la gauche. Deuxièmement, c'était un équilibre. La grande priorité des maires, c'est de l'argent pour des activités éducatives, d'éducation populaire, de présence associative, bref, de l'humain, de la formation et des emplois aidés. C'est de l'humain. Tous les rapports montrent que ce qui manque aujourd'hui dans la politique de la ville, c'est d'abord de l'humain. Et le seul truc qu'on va voter, c'est des crédits pour l'ANRU. Je suis pour. Je me suis toujours battue pour ça. Mais je vous le dis, ce n'est pas de mal à veille qu'ils soient consommés. Parce qu'alors, avec leur bureaucratie, on a le temps d'attendre. Par contre, le fonds qu'on vous avait proposé, il était immédiatement opérationnel ou très vite opérationnel. Et là, Waterloo, rien en race campagne. Est-ce qu'on dépensait plus? Non, puisque le Premier ministre nous dit qu'il va les mettre les 1%. Donc on ne lui demandait pas de simplement dire qu'on va encore en rajouter dans la barque. On proposait que dans la méthode choisie, la manière de dépenser l'argent qu'il nous annonce soit effectivement opérationnelle et arrive sur le terrain. Et ce n'est pas ça que vous avez arbitré. C'est facile, moi, ils sont tous d'accord à Bercy pour annoncer des chiffres sur l'ANRU, on ne les consommera pas à des échéances à court terme.